Saveur anglophone. Saveur anglophone. Vos titres anglais traduits en français. Hello à tous et bienvenue dans Saveur anglophone. On se retrouve aujourd'hui avec le titre Protector en français, de Kim Walker Smith, leader de louanges de l'église californienne Bethel Church. Le single est sorti en 2020 et fait partie de son cinquième album solo. I come out of agreement with the lie that you have left me on my own. Je me défais du mensonge disant que tu m'as abandonné. Je ne suis pas seule. Je me défais de l'inquiétude et de la peur que j'ai connue. Non, ils n'auront plus d'emprise sur moi. Le morceau s'ouvre avec une proclamation ferme. Ne plus croire les mensonges dont nous nous sommes persuadés. Dieu nous libère de la peur, de nos angoisses et nous donne le courage de vaincre nos craintes. Mais notre petite voix intérieure tente parfois de nous convaincre du contraire. Pas facile de la faire taire. Ici, la chanteuse nous révèle ce moment de bascule dans la vie du chrétien. Celui où nous mettons toute notre foi en Dieu en prenant la décision de lui faire entièrement confiance. Protecteur, tu ne m'abandonnes jamais. Tu as dit que tu ne me laisseras pas et tu ne le feras pas. Tu es à mes côtés. Kim Walker Smith explique l'intention derrière ce refrain. Je cite « Pour moi, appeler Dieu le protecteur, ce n'est pas juste un mot, un nom ou seulement un de ses attributs, mais c'est une déclaration puissante et très significative à mes yeux. Parce que ça signifie « Je te confie mon cœur. J'ai confiance que tu en prendras soin comme un trésor et que tu le garderas. » Je reçois la vérité que tu es celui que tu dis être. Je peux me fier à ton cœur. Je reçois ce que les cieux ont déclaré sur ma vie, car je sais que tu combats pour moi. En symétrie avec le premier couplet, l'artiste présente ici les vérités qu'elle choisit d'accepter dans sa vie. La vérité, c'est que le même Dieu qui nous protège combat pour nous et avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans la tristesse et dans la détresse, car il reste notre meilleur allié. Protecteur, tu me caches à l'ombre de tes ailes. Ta présence est ma paix, mon réconfort, mon chant dans la nuit. Si nous mettons notre foi en lui, Dieu nous assure sa protection. Cela ne veut pas dire que nous serons toujours épargnés des épreuves, mais qu'il marchera à nos côtés. Nous trouvons en lui un refuge et un confident fidèle. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, ça me rassure. Parce qu'au final, n'est-ce pas tout ce que nous recherchons ? Aucune arme, aucune inquiétude ne prospéreront contre moi. Aucune ténèbre, aucun mal ne me troublera ou me tourmentera. Tout pouvoir et toute puissance soient rendus à un seul nom. Ma forteresse, ma liberté, mon refuge, mon Jésus. Ce passage s'inspire directement du verset « Toute arme forgée contre moi sera sans effet » dans Ésaïe au chapitre 54, verset 17. Ce titre nous encourage à nous rappeler cette promesse faite par Dieu aux serviteurs d'Israël. Alors saisissez-vous de cette déclaration avec foi. Protect.